Alors, Sébastien Couturier, dirigeant du centre équestre de la Verrie à Bourbarrie. L'histoire, elle est assez drôle, c'est que j'étais marchand de chevaux au départ. Et de l'activité de commerce, le maire nous a demandé de faire monter les gens de la commune à cheval. Du coup, les chevaux de commerce ont commencé à contribuer à l'élaboration d'un centre équestre qui s'est développé petit à petit. La base, c'est le centre équestre Poney Club. Après, il y a la partie organisation de compétition. Après, on a une partie valorisation du cheval de sport. Ça, c'est plutôt Com qui s'en occupe. Je vous présente Californium, du coup. Donc, c'est un cheval qui a 4 ans et sa mère, elle est là. C'est à la mise de Buceol, donc c'est une jument avec qui j'ai fait pas mal de belles épreuves. Celui-ci, en l'occurrence, donc, il est né là. On va le former sur les années de jeunes chevaux, etc. Et puis d'autres chevaux donc, ont été achetés, sont soit en propriété, donc la nôtre, ou en copropriété avec des gens, dans l'idée derrière évidemment de recommercialiser ces chevaux, les voir faire du beau sport dans des belles écuries avec des grands cavaliers nationaux, internationaux. Pour tout, au démarrage, vous manquiez de galop, d'accord? Il faut que vous sentiez que vos chevaux y partent en avant un petit peu d'eux-mêmes et qu'ils vous tirent un petit peu. C'est vrai que notre père a créé tout ça. C'est quand même un bel outil de travail et un lieu de vie qui est quand même assez exceptionnel. On est à 20 minutes de Rennes et pour autant, c'est quand même très calme. Juste en bas, il y a l'étang de Bourbarrie. Ok, et maintenant tu prends la tension, tu te redresses en gardant ta jambe. L'idée, c'était que la Verrie perdure. On continue de faire des investissements, on continue d'améliorer les installations. Ce manège-là, il a été créé en 2010. Sur tout le bâtiment, il y a des panneaux solaires. C'est la plus grosse surface sur un seul bâtiment, couverte en panneaux. En Bretagne, c'est sûr. En France, je ne sais pas trop. Mais des grands bâtiments comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Comment que c'est ? Donc, si dans le cas que moi, j'étais à 50% des plus-values, là, ça veut dire que si je le vends 30 000, je vais redonner 15. Mon rôle donc, est d'accompagner Sébastien sur un plan administratif et comptable. J'ai pris le dossier de Sébastien en main en 2012. Notre accompagnement il se fait avec le Cerf France Brocéliande, et également avec une franchise qui s'appelle Equiser, qui est un réseau de communication spécialisé dans le domaine équestre, puisque c'est une activité agricole, mais avec une fiscalité bien particulière.